Salutation. What's up, everybody? Yeah. This is family. The family. Say hi in my language. Jambo. What about like in French? You forget. Bonjour. Exactly. Hold on. Let me switch this. Yeah. Bonjour. This screen like is always is. Yeah. Yeah, salut, salut à tout le monde. Ça, c'est nous. Jesus, like this screen. Oh. Okay. Bonjour à tout le monde. Gilmas et sa chérie. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Yeah, nobody listen to that. It's too loud. It's not loud. Bonjour, everybody. Yeah, okay. C'est ça. Et c'est un vlog, j'ai fait un vlog. Je vais vous montrer là où we just want to show you the city. Tout ça pour la Sabino ville, cité. Yeah. Here, this, ça ici c'est centre convationnel. Ici, c'est le centre convationnel de Vancouver. De l'autre côté, ça c'est l'océan Pacifique. Et de l'autre côté, c'est Canada Place. Canada Place, c'est un passage oblige tout le monde. Il y a personne qui dira qu'ils ne viennent pas ici pendant le week-end. Il y a promenade des amoureux. Alors, yeah, c'est comme ça. La ville, la vidéo que je vous avais fait la fois passée, je vous avais parlé de comment se comporter, comment vivre ici au Canada. Comment il y avait aussi la vidéo, j'ai parlé aussi de comment s'intégrer au Canada, comment immigrer au Canada. Il y a beaucoup de sujets que je suis en train de faire. Alors je vous invite tous à vous abonner à la chaîne ici de Chroniques de Net TV, puisqu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup à voir quoi. Yeah. Moi je vis au Canada, ça peut être plus de. Beaucoup d'années, je ne peux pas dévoiler ça, c'est beaucoup d'années que je suis ici. Marié depuis 3 ans à ma femme ici, la très belle femme ici que j'aime de tout mon cœur. Alors, ce que je vais vous dire dans la vidéo ici, vous qui avez besoin d'immigrer ici au Canada surtout, chers amis, dès que si vous avez besoin, avant de venir ici, avant de quitter votre pays, n'oubliez pas une chose. Intégration. Intégration, c'est la chose la plus importante et la chose de base. Oh, jamais vous n'avez pas besoin. Intégrez-vous, s'il vous plaît, dans la communauté, dans la société, là où vous êtes. Ne soyez pas comme les gens du jadis qui sont venus ici et n'ont pas réussi à s'intégrer. Ils sont devenus des combattants, ils sont devenus des pasteurs et des opposants politiques. Nous, la nouvelle génération, je vous appelle à vous intégrer ça pour ça. Intégrez-vous, parce que la vie d'aujourd'hui, ce n'est pas la vie d'hier. On ne s'intègre pas seulement dans ta communauté restreinte. Ici, on a des Japonais. On a des Chinois, il y a des Indiens, il y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a des Ivoiriens, Ghanéens, il y a de toutes sortes, des Haïtiens. Vous les nommez, ils sont là. Ce que je suis en train de vous demander, mes chers amis, intégrez-vous, puisque dans l'intégration, il y a des connexions. Tu ne peux pas vivre dans une vie normale sans connexion. J'ai constaté avec beaucoup d'amertume de voir que dans ma communauté, dans notre communauté, surtout la communauté noire, les gens ne s'intègrent pas facilement. Les gens ont tendance de vivre seulement dans leur coin, dans leur propre communauté. C'est pour cela qu'ils ont difficulté d'avoir du travail, d'avoir de beaux travail. La première chose dans l'intégration, c'est comprendre les systèmes. Il faut comprendre les systèmes, comment le monde marche, le monde occidental.
la société qui t'a accueilli, comment elle fonctionne, comment le système marche. Tu ne peux pas réussir sans comprendre le système de là où tu veux vivre. Tu ne peux pas réussir dans une société sans comprendre, sans intégration. Il y a l'intégration des langues. Tu vis dans un coin pendant 20 ans sans être capable de t'exprimer dans la langue locale. Ça, c'est n'importe quoi. C'est ce que nous, les Congolais, avons tendance de faire. We're not going too far, right? Just want to do some easy talking. Yeah. Intégration. Apprendre la langue du milieu. La langue du milieu est très importante. Si vous ne comprenez pas la langue du milieu, comment vous allez communiquer avec vos voisins? Comment vous allez communiquer avec les employeurs? Comment vous allez chercher du travail? L'intégration est nécessaire, très capitale, très, 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 très importante dans la vie d'aujourd'hui. Quand vous vivez je suis devant la salle conventionnelle. Le côté ici, c'est le flambeau des Jeux Olympiques à Bleu là-bas. Ça brille souvent pendant l'été. What time the flame on this? I don't remember anymore, but it's sometimes in summertime, right? So, ici c'est un restaurant. Là, on va vraiment aller dîner ici. L'autre côté là aussi, autre restaurant. Ici, à côté ici. The green là, c'est il y a hôtel. Et Pacifique, et hôtel Pacifique de l'autre côté, ce qui est l'eau là-bas. Ici, en tout cas, ça c'est la ville pendant la soirée. Je suis ici avec ma femme. On est venu passer une soirée, on est venu au restaurant. Alors, je voulais aussi faire une vidéo pour vous parler de l'intégration. Je n'ai pas dit qu'on s'intègre puisqu'on a une femme. L'intégration, c'est comprendre les systèmes de la société dans laquelle vous habitez. Comprendre comment les gens fonctionnent, comprendre comment les gens parlent, comprendre le langage du milieu, ce sont des choses les plus élémentaires que tout le monde devrait apprendre. Regarde, je vais retourner toujours à la chose ici. Nous, les Noirs de l'Afrique subsaharienne, comment c'est possible de voir, nous avions vécu en Europe pendant plusieurs décennies, mais c'est nous qui n'avons même pas de shop. Nous n'avons même pas la place où on peut se ressourcer avec des aliments de base de nos pays. Mais un Marocain, un Tunisien, celui qui va nous vendre nos propres produits. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là, ils savent s'intégrer dans la communauté, dans la société où ils vivent. Ils ont besoin de réussir. Ils ont un rêve qui est vraiment précis. Nous, Africains, quand on vient en Occident, nous devons apprendre à s'intégrer, comprendre la société, étudier du milieu du système. Ce sont des choses les plus simples, les plus élémentaires que tout le monde devrait faire. Ça, c'est la petite vidéo que je devrais vous faire la soirée d'aujourd'hui, juste pour vous dire d'ouvrir vos yeux. Demain, la vidéo, ça sera Kafou. Mettez-vous à garde, puisque nous, moi, quand je parle, je vais vous donner vraiment les données, comment vous intégrer. Comment réussir dans la vie occidentale? On n'est pas ici pour jouer. On n'a pas quitté nos pays pour des distractions. On n'a pas quitté nos pays pour venir acheter des habits. On n'a pas quitté nos pays pour venir faire des palabres, des polémiques inutiles. On est venu pour réussir. Si on a quitté les pays, c'est parce que les pays allaient mal. On a quitté les pays pour chercher un avenir meilleur. Mais quand on est ici,
ton avenir meilleur, est-ce ça se trouve dans les habits? Est-ce que ton avenir meilleur, c'est dans la sape? Pose-toi une question. C'est moi, Guilmas, comme je vous ai toujours dit. Abonnez-vous massivement et à la prochaine. Bokoyoke Lengi. Bye.